Précédemment, dans les couvre-feux de l'amour. C'est horrible! Claire est morte! Attends, c'est laquelle, Claire? Elle me devait encore 8,50€! Nous y voilà, ma chère Claire. C'est entre toi et moi maintenant. L'heure de la mise au point a sonné. Je n'ai plus de tomates. J'étais pourtant persuadé d'en avoir acheté. C'est bon? C'est terminé votre tournage? Non, pas encore, mais bientôt, et après on vous rend votre maison. Oui, et merci de ne pas avoir appelé la police. Je peux reprendre ma scène, là? Bon, où j'en étais? Ah oui, mes tomates. Mince! J'en ai plus de tomates! Clarita, vous me devez encore 8,50€. Ah, oh, vous êtes parfaite. Voulez-vous me pousser? Ouais, à part mes mensonges, elle valait pas grand-chose. Oh, mais quel poète! J'ai une révélation à vous faire. Putain, je vais enlever ce truc, hein. Elle est en vie? Elle est en vie! Elle s'est enfuie! Et en fait, c'est qui, Claire? Oui, j'ai été libérée! C'était horrible. On m'a kidnappée, mais je n'ai pas réussi à voir le visage de la ravisseuse. Je sais juste que c'est un kidnappeur qui pue l'alcool et qui a des goûts vestimentaires très approximatifs. Mais je n'en sais pas plus. Approximatif? Non mais tu t'es regardé? En tout cas, c'est bien dommage que vous n'ayez pas pu reconnaître le kidnappeur. Bon, eh bien, tout est bien qui finit de façon moyenne. Au fait, avec cette histoire pas claire... Oui? J'ai oublié de vous prévenir que BCV Productions vient d'être convié au Festival de Cannes. Faites vos valises, on part dans 6 minutes! Der Meister weiß, dass du nach Cannes Festival fährst. Was ist das? Es ist das Missionauftrag. Versagen ist verboten. Klar. Bonne chance, mon chéri. Dans le prochain épisode, Patrick va-t-il enfin savoir qui est cette meuf qui est morte? Corinne va-t-elle enfin annoncer son amour à Patrick? José va-t-il enfin s'affranchir des clichés germano-portugais imposés par la production? Claire va-t-elle enfin enlever ce foutu baillon pour qu'on comprenne ce qu'elle dit, bordel? Maria va-t-elle appeler les flics pour virer tous ces saltimbanques qui squattent sa maison pour un soi-disant tournage? Le stagiaire va-t-il finalement obtenir une promesse d'embauche pour un service civique après son stage? La suite au prochain épisode.